Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Hein? Malgré tristesse, malgré mélancolie, même j'ai avec nous hier, moi prends nouvelle l'amour Mikaben. Et l'amour Mikaben, il fait nous poser question. Il fait un pile mon a poser question dans moment là pour connaître est-ce que définitivement Haïti haïtien n'est pas destiné pour nous gagner un petit cœur content, pour nous gagner un petit la joie à partager, pour nous toujours en joie pour ces émotions, bagaille positif n'a partagé. Imaginez-nous un moment qui crucial côté et fanatique musique en Haïti mélomanio, yo content concert réunion ça que Karimi a fait. Un grand concert qui réunit près de 20 000 moun. Plusieurs artistes haïtiens ont performé en jazz qui depuis 6 ans, yo pas jamais rencontré ensemble pour performer et dans mitan toute fête ça, dans mitan tout ambiance ça, dans mitan tout cœur content ça, c'est nouvelle amour Mikaben, un jeune artiste qui pral clôturer tout spectacle. Et automatiquement nouvelle li publié Haïti haïtien down. Tout moun saisi, tout moun et a chercher konnen moun ki pat konn Mikaben, a chercher konnen ki est ki Mikaben nan. Gen moun ki pat konn Mikaben, mais yo te konnen Mikaben c'est petit Lionel Benjamin. On icône nan musique haïtien. Et m'pa kache di nou musique lan pran kou, Haïti pran kou. Haïtien prend coup et gen un paquet d'informations depuis hier soir qui a circulé sous toile sur réseau. Gen madame Mikaben qui réagit, gen proche Mikaben qui réagit qui était dans concert là. Et si c'est pas un monde qui était dans concert là qui pour dire exactement qui ça qui arrive Mikaben, qui ça qui passé ou pas connait. Si c'est version là rue on va prendre ou dans erreur. Donc jodi an là on interview qui réalisé matin avec Fito. M'a permet tout tendre, m'a permet tout vivre li, ou apprendre exactement dans quelles circonstances Mikaben mouri, dans quelles circonstances jeune artiste li perdu la vie. Li n'a continuer pour te soutien nous, solidarité nous, reconfort nous avec toute fanatique, toute famille, toutes amis qui dans moment là endeuillé, qui dans moment là a porté quoi ça, porté solitude, départ précipité jeune artiste. Nous ça qui est pour avec dossier insécurité en Haïti. Hier encore gagné pays Canada qui finalement met un petit sourire sous que on groupe monde parce que yo ouais et matériel yo rentré yo ouais et blender rentré gen moun ki commence content et nan mitan toute situation ça parce que finalement nous ouais que Canada décide ba nou matériel que pays acheté commandé yo dans l'après-midi ou bien encore dans la soirée gagné et gen avion US Air Force qui rentre, qui débarque, qui continue pote l'autre matériel. Mais logique, c'est qui s'allie, États-Unis, Canada pote matériel. Nan mitan semaine nan la, pral gen yon rencontre qui pral fait pour yon prendre résolution dans le dossier sécurité Haïti, pour yon connaître est-ce que gen yon force de police multinationale, force de sécurité multinationale yon voué en Haïti. Eh bien, dans situation ça, gen yon journaliste Galvez, ti koze nan panyol, mon cher. Qui salambe, nous avons donné salambe, qui salambe, qui démonte pas quand pas, que l'on ambassade Canada, que l'on ambassadeur Canada, que l'on autorité haïtienne, après yon fin refusé avec journaliste haïtien, avec reporter haïtien, pour yon rentrer dans l'enceinte côté et entreprise canadienne t'a livré matériel. Yon pral gagner tout détail ça, en pilote encore, mais c'est après, pour ça. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Diversion, tractation, parler en pile, voyez monter qui t'a fait. Non question 12 millions de dollars américains que PNH, que gouvernement haïtien a décaissé pour acheter matériel dans mes pays Canada. Et bien hier,
monsieur dame canadien ont décidé pour matériel yo, pour blender yo, pour l'autre matériel, l'autre munition, commencer rentrer dans le pays pour joindre PNH pour aider yo combattre insécurité en gang qui a taillé bandan dans le pays. Mais dans même situation ça, gagne un gros problème qui pété un gros lobo qui pété avec journaliste haïtien. Moi vle ou au courant pour qu'on ait exactement qui ça bagaille ça y est. Nous non moment côté que insécurité a fait ravage, gang a fait affrontement, moun a victime chaque jour en babal marron bandi et en dedans PNH ou pas nous pas ouais, yo pas montré nous volonté qui animé vraiment dans niveau état major la police, dans niveau CSPN pour combattre phénomène insécurité gang captaille banda dans la République. A pire question qu'a posé matériel ça qui a rentré là, est-ce que c'est matériel que PNH pral ka utilisé tout bon en question pour yo combattre insécurité, pour al battre avec bandi, pour al dénicher bandi, al déloger bandi, al démanteler gang, ou bien c'est matériel nèg yo commencé voyer là, même 12 millions dollars matériel nou yo commencé à voyer en Haïti en prélude avec une intervention qu'a gagné pour venir très bientôt. Non pas oublier. Parce que semaine ça, c'est semaine pour Conseil Sécurité Nations Unies pour yon réuni pour yon voter une résolution, pour une résolution, voter résolution. Dans ça qui est pour yon, avec décision yon pour yon voyer une intervention militaire en Haïti. Et déjà, États-Unis, d'où yon même yon favorable, yon plus que favorable pour une intervention militaire en Haïti. Canada favorable. Gon paquet l'autre pays, je dis là, qui a constaté dégâts qui gagnent en Haïti, yo constaté impuissance qui gagne par bon côté institution PNH, ou bien yo parle de son manque de volonté politique qui existe en dedans la police. Donc, tout bagay sa yo contribué à mettre pays en côté li là. Nous bon CSPN qui politisé, nous bon état-major la police qui politisé, des policiers qui dans gang, des policiers dans les cafris, policiers dans kafou, situation vient compliquée. Jodi an nan tout katchouboumbe nou yé là, nan tout problème insécurité nan viv là, c'est pas un moment pour t'attendre policiers kafris, policiers. C'est pas moment pour t'attendre policiers qui nan gang. C'est pas moment pour t'attendre corruption qui gagne dans l'institution la police dans cadre de demi alors que nous besoin l'argent pour nous combattre sécurité, nous besoin l'argent pour nous combattre kidnapping, venir avec des matériels sophistiqués en dedans l'institution PNH. C'est pas moment pour nèg yo faire toute diversion ça. C'est pas moment pour nèg yo retirer focus population nan intérêt yo gagner pour yo veiller pour yo mande sécurité pendant que tout nèg a régler bagay ba nan pouvoir réel en rien pendant que communauté internationale li même c'est ça le décider, c'est ça que veut faire là qui pour faire. Qui ça nous est dans moment pendant Canada décider là, y a bay matériel yo, gagne des dispositions qui prend pas bon côté ambassade Canada, yo dou matériel yo commencé venir là, yo pral bay gab gen des instructeurs, ap gen des formateurs qui pral bay militaire la médaille ti yo formation technique pour yo ka piloter, pour yo ka gérer question char blindé yo. Est-ce que c'est reconnaissance tacite là qui commence fait là, est-ce que yo commence à reconnaître que Haïti gon l'armée? Est-ce que c'est ça nèg yo vle commencer faire? Parce que jodi an ki sa li États-Unis clair li direct li dou Haïti pa gen l'armée, alors que tout pays ka fè face avec grand banditisme, tout pays qui vle gérer question sécurité la kayli, qui vle défendre intégrité territoire, qui vle défendre souveraineté, premier bagay yo fè, yo assure yo que yo gon l'armée qui fonctionnel. Yo assure yo que yo gon l'armée qui ka répond avec exigence de souveraineté nationale. Mais en Haïti, nèg yo sot kote yo soti, yo krasé l'armée nou. Yo créé une institution la police et même la police ça, jodi an la li politisé, c'est décision k'ap soti en d'ambassade, c'est décision k'ap soti en dedans consulat, c'est yo même qui pou mettre grand chef yo, c'est yo même qui pou décider ensemble de bagay qui gen pouwe avec sécurité nationale. Comment un pays ka fait marcher comme ça? Comment un pays ka fait fonctionner alors que nous gon ensemble d'autorité qui là, nous gen dirigeant qui là yo pas en mesure pour yo prendre des dispositions dans ça qui gen pouwe avec sécurité chaque grenade Ariel, là on dit Ariel, il est en mesure pour prendre des décisions dans ce qui est pour avec intégrité, dans ce qui est pour avec souveraineté pays. Sinon, on regarde la réalité. Colombien a rentré, Jamaïcain a rentré, Dominicain a rentré, il y a la filière avec gang.
tantôt tande nan gang iso gen jamaïcain, tantôt tande nan gang iso gen colombien, tantôt tande nan gang IE nan gang tilapli gen dominicain qui vient renforcer. C'est pays n'a fait. C'est pays nous voulait faire. C'est pays nous voulait faire, pays pas fait comme ça. Jodi a la, fok ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, nous avons ministre là, nous avons liste qui tel qui l'a d'autant pour qu'on révoque le pour remplacer. C'est lui-même qui a géré l'intégrité territoriale. C'est lui-même qui a pouvoir avec souveraineté nationale. La, parce que question territoire, c'est lui qui a géré, c'est le ministère de l'Intérieur qui a géré tout ça qui a passé en dedans pays. Tout ça qui a passé dans n'importe quel coin de dans pays, mais ils ont refusé d'assumer responsabilité. Quand il y a bras d'un, c'est Conseil de sécurité des Nations Unies qui pour réunir, qui pour prendre décision, pour une intervention militaire en Haïti. Et quand il y a avec l'argent, nous encore 12 millions de balles. Dans un moment, ils ont trouvé un moment très favorable et très propice. Et puis ils ont commencé à débarquer matériel. Matériel pour venir piloter. Et puis entre-temps, ça qui a passé en dedans pays, massacre continue à faire. Non quoi des bouquets la moun pa ka rete la kayo à cause gang 400 marozo à cause gang vite l'homme ka fè laisser frapper ka fè affrontement moun a prend bal maro bandi a rentre la kay moun ki pa gagne pour avec gang 400 marozo gang vite l'homme estimé là a ou ka ou gen relation à gang 400 marozo et puis so tande anek yo prononce la mort yo met du feu la kayou yo rentre yo fè ka de jak c'est réalité ça moun quoi des bouquets a vive. Francel n'est pas au courant, Ariel pas au courant, Kitel pas au courant. PNH a besoin de matériel, policiers ont besoin d'équipement, mais nous besoin, j'aime toujours dire, j'aime toujours rappeler nous, nous besoin pour nèg yo faire preuve de volonté. Volonté pour permettre à ce que gen un plan stratégique, des opérations qui menaient pour suspendre, protéger gang, suspendre, protéger bandi, suspendre faire alliance avec bandi pour touiller population dans intérêt pour qu'on fasse l'argent, dans souci pour nous qu'on fasse l'argent. Nèg sa yo ka fè politique en dedans pays. Nèg sa yo qui dans secteur privé des affaires en dedans pays. Suspendre bay bandi moyens financiers. Suspendre fourni bandi zama munitions pour touiller petit peuple. Parce que je dis à nous tous conscients, nous, si Haïti est conscient d'un green bagage, je dis là, c'est Nexayo qui a influence politique, c'est Nexayo qui a pouvoir de décision, c'est eux-mêmes qui a alimenté gang avec violence dans le pays. Qui est sûr? Qui est sûr? Ou on a rebelle dans le CNDDR, tantôt le doux, gon 1200 000, gon 1300 000, gon 1100 000, gon 1500 000 qui vendent des munitions dans le pays. Jamais pas konn ki ou pas ka bon idée de moun sa yo publiquement pas bon action en justice qui entend tenter contre moun sa yo même l'on pas ou pas dévoiler non moun sa yo pour opinion publique te connaît pour population te connaît mais quand même nous montons commission gon responsabilité c'est al parler avec gang parler avec bandi pour garder est-ce que yo ka font désarmement mais jusque là nous identifier moun qui a vendre bandi aux armes qui a fourni aux munitions mais pas mon commissaire du gouvernement qui jamais intenté aucune action en justice contre Mounzayo. Et puis petite malheureuse a mouri. Faut que population, faut que chaque haïtien qui gon moun qui victime babal maon, faut que ta commencé porter plainte contre l'état haïtien parce que l'état haïtien autorité au dirigeant yo complice dans ça qui a passé là. Nous bon liste famille qui vend zam, qui vend balle depuis bien longtemps dans le pays. Nous pas jamais bon commissaire du gouvernement, n'ont aucune juridiction qui peut plainte contre quoi avocat peuple là. Laisse ça te bon l'aide dans la rience tout béton avec peuple là, il t'a couru pour le doux. C'est massacre Jovenel a fait, il pral porter plainte à gauche, il pral porter plainte à droite, il pral porter plainte dans tribunal international, c'est là-bas et puis jodi là li en bazel 11 famille yo li chita sou même dabave yo li nan pouvoir pas jambe aucune disposition qui prend yo oublier peuple yo oublier population nous mettre mourir nous mettre victime yo mettre kidnapper nous touyer nous faire cadre Jacques sou nous jodi an la est-ce que 15 est-ce que 20 est-ce que même si ta bon sans chablende est-ce que ou estimé si pas gen volonté politique de l'institution PNH la police a travail. La police a ka combattre insécurité, ka combattre gang. Qui sa PNH a besoin vraiment? En dépit de tout matériel PNH a recevoir, oui, faut nous gen matériel pour nous travailler, pour nous combattre bandi. Mais nous besoin volonté. Nous besoin état-major la police qui fonctionnel, qui crédible.
Nous besoin groupe moun nan tête PNH qui gen volonté, qui fait preuve de volonté. Si ça là ou pas ka travail, alors que gen policier qui motivé, gen policier qui paré là pour yo travail 24 sur 24 7 sur 7 pour mettre sécurité en dedans pays, pour un petit groupe nèg, un petit point nèg dans tête institution yo, ou un petit point nèg dans pouvoir réel en réel, yo décidé puisque yo gen oligarque yo, yo gen nèg politique yo qui n'a connivence avec bandi, qui n'a concombre avec bandi et puis s'attendre à là de l'intérieur nèg yo craser PNH. L'autre des bandi a attaquer policier, c'est supérieur yo chiko qui va laisser passer ya. Ou dans des opérations avortées, opérations sont échec total. C'est supérieur hiérarchique, c'est nèg sa yo qui planifie opération, qui planifie comment opération pral fait, qui joue qui etc. qui livre policier aux jeunes ouais ça t'est fait dans village de 12 mars. C'est ça qui réalité aujourd'hui. Nous bon état major la police c'est des vendus, c'est des achetés. Jodi an la fok nous camper par bon côté policier même là nous tande y a utiliser policier nous pour faire répression mais jodi an la n'a pas de mettre un seul bagaille jusqu'à ce que nous gon l'armée qui opérationnel en dedans pays en tout bon c'est la police en nous gagne c'est eux même qui dernier rempart nous c'est eux même qui dernier renfort nous c'est sous yo nous ka compter c'est sous yo nous ka compter eh bien dans cadre livraison matériel Chablende yo gen yon gros bagay ki pase, gen yon gros incident ki pase avec média haïtien yo. Nous apprenons que yo te mette restriction bien interdiction pour média haïtien pas rentrer alors que entreprise canadienne nan li te voye journaliste, li te voye photographe reporter li pour assurer yo que livraison li bien fait. Et puis sortant de là gen journaliste Galvez mes amis, c'est salambe, nous entendons salambe, n'a excusez-moi parce que nous pral tande un paquet moronflan, nous pral tande un paquet bagay k'ap di mais c'est réalité, c'est frustration l'ap dégager, c'est sentiment ça senti, humiliation senti le prend, remol gen, c'est lui-même l'ap exprimé et pas gen sorti de là, on nous garder ensemble avec moi Galvez qui t'a exprimé ça senti après refus, après refus li prend pour yo pas ka pénétrer en cet aéroport là côté livraison t'a fait là. C'est un confrère journaliste qui t'a réalisé reportage ça lui-même et Safe News, oui Safe News. Donc on nous garder l'ensemble, on va joindre plus de détails. Avion arrivé à 12h37, à minuit 37 li vini. Ça veut dire que comme c'est mal propre de nouer, yo dit non ça vous voulez. OK, avion vini à minuit 37, mais on dit Haïti à 2h. On a la police mandat Haïti, recevoir l'ordre dans le Canada pour aucun joueur haïtien pas faire photo. Et tandis que, vous avez regardé l'aéroport là, journaliste canadien, il a fait photo dans tout avion qui a descendu. Ça veut dire, moi-même, je quitte ce domaine, je viens ici, mais pas pour toi, je viens ici. Mais ce pays, je ne vais pas quitter le nom, mais la police nationale d'Haïti, c'est lui qui a contribué pour casser le pays. C'est la police, parce qu'avec Canada, Canada dit à la police nationale d'Haïti, pas quitter les journalistes haïtiens. Chaque fois, nous ne pouvons pas entrer. Bon, d'ailleurs, je pose une question. Je dis non à 2h, pas vrai? Avion final 12 à midi 35. Ça fait à 2 heures, pas venir. Nous tous les abonnés nous mentir, nous avons une équipe mal portée. Mais malheureusement, nous n'avons pas un pays. Malheureusement, nous avons venu avec ça pour dire affaire. Mais ça nous venons avec là. Pas de militaires descendent. Ça nous venons avec là, c'est les armes qui nous commandent pour nous. Qui est les armes seulement, pas de l'autre matériel. Machine, c'est un machine, appareil, apparemment pile appareil qui vient là. Mais il n'y a pas les haïtiens qui font photo. C'est ça les Canadiens qui font photo. Mais qui ont même Galvez ou qui ont même ça. Qui ont même comprendre ça. Ah mais ça nous comprenons c'est que. À Canada, les Haïtiens pas bon, ils ont pas de mal propre. Et on s'est des chats, on s'est senti des policiers. Donc, commandant, service logistique dans n'importe là, un grand monde de 70 ans, on mal propre. Il dit ça, il parlait mal à un employé. Il dit allez, vous en, vous sortez de là. Mais moi, je suis depuis à 10 ans. Vous n'avez pas de nom, monsieur? Vous n'avez pas de nom? Non, pas de nom, chat, là. Je suis mal propre, mais je suis pas de nom, caca comme ça. Mais ce qui est 9 ans, pour être propre haïtien par eux, ils ont bloqué haïtien. Ils ont dit haïtien pour ne pas rentrer en dedans. Ils ont service à service nous. Oui, exactement. Mais ils ont éliminé nous. Nous ne sommes pas encore. Et qui message est Galvez ou vous avez l'État? Bon, pas de l'État. Pas de l'État. Nous avons dit que tout le côté nous est canadien, coupez tête de boulet.
cacao là, allez au cousin, nous va foutre bien. Moi mal propre, là tout chaon yo là, parce que yo ne veut pas papa yo. Mais son qui 9 ans pour être propre haïtien par où, yo bloqué haïtien, yo haïtien ou pas rentrer en dedans. Ça ne service ça service nous. Oui exactement, mais yo éliminer nous pas moun encore. Nous pas encore. Et qui message égal vers tout envoyer par l'état. Bon, pas rien l'état, pas rien l'état. Nous t'a dit que moi tout côté nous canadien, coupe tête yo boulé yo. Et ça me t'a dit moi-même. Pas appeler mes amis canadiens. Tu finis de découvrir que Canada avec les États-Unis met des complots pour fond Haïti. Quand il y a au lieu que yo retourner amis avec nous, yo acheter avec nous. Mais ça passe aujourd'hui là, il y a la police, attention. Yeah, OK. Oh. Nous sommes tendés, nous sommes tendés, j'ai un journaliste très remonté, très énervé, et gros paquet de mots qui dit là, et j'ai l'impression que c'est parce que tout le monde était fâché qui fait entendre tout le bagage, tout le détail. Et réalité, c'est qui s'allie. L'homme tendait information ça qui a circulé, c'est pas seulement Galvez, il y a plusieurs autres médias qui étaient là, qui dit que ils étaient empêchés de rentrer. Je viens comprendre, je dis là, nous avons une situation côté que liberté la presse est menacée. On a dit, bon, faut que je cherche plus d'informations, plus de détails dans le dossier. Et puis automatiquement, dans le monde qui était là, dans le responsable PNH, qui était pour recevoir le matériel, on fait contact, on arrive à parler avec une là-dedans. Qui ça bagaille là est réellement? Ce n'est pas que vous voulez limiter la liberté la presse ou bien restreindre la liberté la presse, etc. Mais nous avons un souci pour empêcher que caractéristiques matérielles ont fuité, pour empêcher que ou ensemble de données ou gen sou matériel yo a pour recevoir yo circuler sur réseaux sociaux parce que bandi yo en vogue sur réseaux sociaux chef gang yo a utiliser réseaux sociaux même chaque grain citoyen paisible. Donc PNH autorité PNH yo vraiment prudent par rapport avec situation ça. Mais moi même ça me trouve qui ont ti gens embarrassant, yo te ka expliquer ça avec avec média yo te ka préalablement dit OK, mais si nous rentrer mais comment on a fait, mais qui j'en a fait, etc. Nous te ka poser question mais pas prendre image, mais yo pas faire comme ça, yo seulement mettre restriction le journaliste haïtien yo vini. Mais ça qui t'a pas énervé pour nous plus c'est le ouais gen journaliste canadien qui yo même a fait photo, qui était sous place, etc., qui a fait reportage. Kou nya question moi même poser pour me connaître comment faire un journaliste canadien qui était autorisé par journaliste haïtien yo. Journaliste canadien yo vini directement, c'est entreprise canadienne qui voye yo pour assurer que livraison fait, tout bagay fait, jan yo te prévoit là que PNH recevoir tout équipement yo te gen pour recevoir dans jour, sans que pas gen rien qui échappe yo, sans que pas gen moindre détail qui échappe yo. Donc c'est ça bagay là. Nous avons Jean Galvez fâché, nous avons un paquet de journalistes qui a fait post sur réseau, qui sont frustrés, qui sont c'est humiliation, c'est déception. On comprend. Mais une fois que gain information, Photoshop blende nous avons cap circuler sur réseau, etc. Gain chef gang là qui l'a appliqué qui est dou, lui même lui pas un chalavou li. Matériel yo konnen yo genyen gros am yo getan genyen la, li même pose question pour dire est-ce que Kalashnikov li genyen, est-ce que Tisha Blende sa ka résister le vol. Donc n'ap comprendre effectivement PNH nan une situation qui difficile, la police nan une situation qui difficile, en dedans institution gen tout est gang, gen tout est bandi, nan media yo pour la plupart gen moun ki a bay gang information, et des fois sans rendre nous compte nous cap informer public là, et gang yo bandi yo fait partie de public là, et puis comme ça tout yo vinn bénéficier ensemble des formations qui ba en longueur d'avance sous PNH. N'ap tann on point de presse par bon côté et porte-parole police qui a bay plus de détails qui pral gagner pour l'expliquer en longueur loge pour qui ça effectivement yo te restreint et journalistes avec travail yo te gen pour yo faire dans juillet là côté que pays Canada te gagner pour te distribuer plusieurs blindés à la police. Bon, nous allons passer dans le dossier Mika Benna. On connaît le dossier ça, ils sont dossier qui crée en pile et qui crée en pile et émotion, qui crée en pile et chagrin, tristesse, qui ba en pile désarroi, mais nous connaît l'amour à son passage obligé. En pile fois nous toujours demander pour qui ça c'est kounye a, li très jeune, moun yo ale, nous pas t'attendre à ça, mais l'amour nous pas jamais préparé pour l'amour. Même là nous gon moun qui malade depuis le mourir, nous sentons vide là. Parce que moun nan c'est pas Haïti qui était là vivre l'autre côté. Moun nan c'est pas et non l'autre caille, non l'autre zone, c'est pas l'autre destination le prend, etc. Moun nan pas pour encore.
Bon, peut-être li pour une destination côté que le pape tourner son voyage unilatéral lié le pape tourner encore, mais nous pas jamais vraiment habitué avec sentiment ça, avec vide, avec séparation ça. Donc pas gen mot, pas jamais gen mot vraiment au cas reconforter un monde le perdu un proche, un ami et un monde qui cher avec lui-même. Nous ka bouke fè bay des mots de sympathie, bay des mots de reconfort, mais ça yo pas vraiment ka combler quoi que ce soit, pas combler quoi que ce soit. Et grand paquet de paroles qui a parlé, grand paquet de paroles vidéo qui a circulé. Grand vidéo hier soir mon côté que avant mes cabin monter c'était gens et ou grand sentiment que li te grand malaise, il pas vraiment senti bien. Et chaque monde ba appréhension, ba opinion sur vidéo ça. Et le mes cabin tomber sur c'était gens, chaque monde tout ba et impression opinion yo sur vidéo. Mais réalité c'est qui ça lié. Est-ce que Mika Ben souffre maladie cœur? Est-ce qu'elle était cardiaque? Est-ce que Mika Ben était gen malaise avant prestation? Il passait 4 jours à répéter 10 heures répétition par jour avec Karimi. Est-ce que pendant moment ça elle était gen malaise? Est-ce que monsieur Karimi était connait Mika Ben pas bien? Est-ce que avant prestation Mika Ben pas bien? Est-ce que c'est il t'a caché et malaise etc.? Toutes questions ça on va jeune réponse avec. Pas quitter ces monde qui vient dire ou même bénéficier opportunité ça pour tendre vérité pour tendre et dernier moment la vie artiste pour tendre comment Mika Ben teye avec l'autre artiste l'autre musicien Karimio avant que li traverse. Donc m'a qui doit avec interview ça qui réalisé matin avec journaliste Magic 9 yo yo t'a parlé avec Fito qui lui-même lui c'est manager Karimi. Donc on nous tande ensemble n'a croisé dans une autre vidéo mais rendez-vous li cassé à 7h boule avec Foucault pour reste programmation comme ça on ca jeune plus l'autre détail sur différents faits qui a dominé actualité. Restez connecté avec plateforme non sous pourquoi abonner activer petite cloche notification comme ça on joindre toute information yo en temps réel. Manager Karimi, actuellement manager Kai, et nous avons fait bon, évidemment, nous comprenons les douleurs Fito. Fito, comment nous y est? Allô? Est-ce que moi-même. Ok, excusez-moi, c'est moi qui ai fait. Moi qui ai fait des autres. Fito? Oui, qui est-ce que nous y est là? Eh bien, nous là. Bon, on connaît matin par exemple, j'aime t'a dit tout à l'heure là, c'est de conseil Karimi pour nous t'a parler mais malheureusement à cause de ça passé à nous obligé bail et priorité à ça passé et Mika. Fito, dis-nous non. Qui ça passé? Est-ce que tu as un signe annonciateur qui t'a fait nous t'es pressenti ce que tu as un bail comme ça qui arrivé? Qui ça crive même? Non, pas rien qui te caprive nous ça et nous faire journée avec Mika. Songez que nous rentrer là et dans salle là depuis à midi. Donc nous dans salle là longtemps. Mika gen logi et Karimi te gen logi, manager te gen logi. Donc nous tout est en roi et n'a parlé n'a pas blague et nous descendons de la façon de la bestiali tout bagage ça Mika avec nous Mika fait live donc pas vraiment petit grand quel signe ni monsieur pas j'ai dit que il était gros problème donc et pas quoi que tu gros pressentiment ou était gros problème avant qui t'a cause et bagage ça. Ok, et dans la répétition, il n'y a pas de bail des signes de grande fatigue. Non, pas bien ça. Très bien. Et puis. Je sais moi qui représente Mika, le Tilounel pas là. Donc, okay. Il me fait booking avec. Donc, nous toujours avec le site. Si tu es un malaise, d'après ça. Ouais. Très Mika, bien. Mika, tu es dans l'état normal. Ouais. Très bien. Puisque ou toujours avec le Fito, est-ce que dans un passé plutôt. Pas lointain, est-ce que tu as dit que tu as fait mal, il sent pas bien, il sent. Est-ce que tu as fait comme ça? Non. Non, moi. Alors, moi, j'ai un pile de la fait musique, mais. Et bagadou, j'avais assez pour me connaître si tu as ou bagaille, parce que. Et Mika, tu n'as pas connu.
Et donc, moi, c'est pour ça que je ma vie à Kaye. Donc, c'est sauf si tu as un bon qui nous croise, même le fait pour qu'il boit ici. Pour les titres, pas là, c'est mieux quand même, vous voyez, quand elle peut aller avec un assistant, ou bien quand elle va aller pour qu'on dit les titres, elle pas aller. Donc, et tant même, moi, fait avec là, pas je me connais, ni au courant que le gars. Très bien. Et il était tombé, il était pris en charge médicalement et pas gagné, t'es qu'à fait là pour te même essayer de souffrir. Ça veut dire son bar qui était foudroyant, qui pas de médecin aucune chance. Paris va faire, mais non, pas qu'à trop élaborer. Mais seulement qu'à d'autres bagages qui fait sur place. Et pour ici, à Bayou, fait au moins de gens, ils ont été équipés. Et puis on fait que ce soit sur la route, donc tout le bagage on fait sur place et on fait une heure sur lui avant d'arriver et décider qu'on ne va pas faire encore. Donc il était là pendant tout le moment. Donc je crois que il fait tout le bagage possible. Très bien. Et on va passer au Timet qui est là avec nous avec l'hiver et Jamina qui a des questions pour vous. Mais comment musicien Karimi Oye après bagay ça? Bon, nous j'en difficile parce que et que musicien était très émotionnel et il était on dit j'en bloqué stage pour pas quoi alors il mettait des rideaux, il était qu'une équipe qui vient et qui entoure Mika et puis il mettait des rideaux parce que c'est sous cette jalie et on connaît tout les chiasio, monde qui allait, monde qui l'a publié à Kawes, c'est déjà. Donc, tu es obligé de mettre les gens campés et puis on mettait des rideaux pour barrer, quoi, pour ne pas garder. Ça y a fait, y a, mais seul monde qui était dans, après ça y a évacué les zones. Non? Seul monde qui était dans la zone, c'est les musiciens qui étaient sous cette jalie même. Comment donc? En plus, le monde était très émotionnel. Donc, toujours difficile parce que qu'on y a trois canadiens au parti à terre et c'est un exorti notre bois et puis à l'aéroport donc c'est moi-même Carlo Richard Michael la famille Michael madame Richard moi-même qui là qui était donc tout mon émotionnel par les monde qui dormi et mais sont dormi pour pas gagner une heure ouais. Madame, on est supposé partir aujourd'hui à l'échange de vol pour l'été. Donc, on a des bagages pour régler pour la famille. Donc, et par exemple, il y a un côté pour nous, pour autant ça va. Donc, on a un peu de soutien. Pas de soutien, mais de soutien. On a tout 25 ans, on a beaucoup de gens qui ont crié. C'est la première fois. On a un carreau, pas de bon même. On a un carreau, je ne sais pas comment ça passe. Donc, I don't know, son bail qui était très difficile pour sortir de long moment de contentement et de moment tragique. C'est pas parce que au milieu. Ouais, donc. So, I don't know. Et tu mets une question? Fais-toi, bon, salut, frère. Et. Bon, et. Non, là, bon, malheureusement, c'est comme ça que je vais parler maintenant, mais hier soir, nous avons commencé à parler dans le DCC, mais malheureusement, et pour ça qui vient de passer, ça vient de faire que nous n'avons pas parlé de Karimia. Je pense que Mika avec monsieur depuis, en fait, dès le début, dès le commencement, et Mika avec monsieur. Et pour réunion, et je connais grand pile l'autre artiste que nous avons invité, et malheureusement, ça n'a pas de fait, mais Mika est ensemble avec nous. Mais je crois que Mika a une semaine avec nous, et l'autre bois dans la répétition. Pas vrai? Oui, Mika a une semaine. Alors, tout le monde est rentré, toute l'équipe est rentrée depuis le dimanche. Et même le jour du dimanche que nous rentrions, nous avons commencé la production de répétition. Donc, de dimanche à jeudi, nous faisons journée à répéter, qui veut dire, depuis à 10h dans la salle de répétition, jusqu'à 8h, 9h du soir. Salle-là, cuisine, tout le bagage. Donc, nous allons manger, nous camper pour un break.
Donc, et nous fait un pile temps ensemble la semaine là, donc. Bon, donc, et... Alors qu'il y a un signe qui t'a dit, donc, monsieur, tu comprends. D'ailleurs, et si l'on est pas rapide, il vient. Oui, si. Par rapport à lui, s'il était suspect, il y a un quel magasin qui était mal à l'aise, donc. Et, Mikatel est anormal. Farine, dans quel moment nous juger, nous estimer nécessaire que nous devons camper concernant, parce que Jean Timet se dit là, et on considère de telle envergure camper, c'est parce que là nous remarquons que Kali commence grave et il est hors de contrôle. Dans quel moment nous estimer qu'il était important pour nous camper et performance? Question ça pas qu'à vraiment répondre parce que depuis le Mika tombé mais avec Mika donc tout ça que fait au dehors de Mika on pas connaît par contre qui l'a campé qui l'a dit que Mika allé qui le on pas connaît rien mais juste que t'es avec ouais donc il va pas avec et bon les docteurs qui a cap fait ça qui peut faire ouais. Mon cher Fito, courage. Comme vous dites que tu as gagné un membre famille au nom de Magic 9, Télé 20, NAPE, transmettre condoléances à toute famille. Il y a toute famille Karimi en tout qui était là, parce que Mika, Karimi, c'était poisson crasé dans bouillon. Et donc nous voulons qu'on s'est fait, c'est apprendre avec quoi là, côté AP. L'étoile bonheur pour nous qu'on s'est. Non, il est au connaît. Et pas qu'un père. Non, c'est famille. C'est famille. Mais moi, en contact avec la famille. Et je parle avec eux presque chaque 30 minutes à une temps. Donc, et pour me faire une information qui n'est pas moi. Ouais, donc, c'est la natal. Et nous-mêmes, d'après là avec nous, songez que la majorité ou Mike et Mika Benzina Karim Infel. Oui. Ouais, majorité, grande prestation. Je n'ai pas jamais été mis à pour 2-3 mois. Et il va monter sur scène, c'est son grand scène, il monte toujours à l'académie. Ouais, c'est toujours nous-mêmes qui le veulent. On commence à nous qui viennent avec le doc. Bagay ça a frappé nous fort, on commence. Et frappé famille. Donc, ce bain, c'est un qui est là. C'est ça, qui est là. Kembela et très bien. Un peu le courage et puis à très bientôt, Fito. Merci un peu. Merci. D'accord. Et bon. Et j'aime Nabzin tout à l'heure là. Et donc. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Et j'ai fait d'autres jours. Et effectivement, Karimi avec Mika. Et chaque fois, on a besoin de Mika. Et, en fait, on prend Mika son grand scène, c'est toujours avec Karimi, parce que Mika pas de époque le Mika dans crise et gain de côté que crise pas de temps à jouer et je tout problème qui était autour de ça et mais de monde que en fait de trois monde qui t'a préagi par rapport avec un nombre de en fait émotions qui gagnent par rapport avec nombre de monde qui devant Mika. Faut me dire non, c'est pas la première fois que Mika joue devant tout le monde ça. Et d'ailleurs Mika c'est Mika fait carnaval avec ni Crazy ni Karimi et même avec Ben Pali. Mika est monté sur scène avec Karimi plusieurs fois devant plein monde comme ça. Donc et écoutez, Mika habitué avec full moon qu'on s'en devant avec scène qu'on s'en devant donc et Jean fait tout jour là nous pas gagne qui ca jour ça passé parce que il pas gagne qui pensait que ça était arrivé et voilà. Oui bon franchement pratiquement c'est même état d'esprit pour tout le monde, c'est tout le monde abattu par et sacrifier hein? Mais comment tu vivre ça et friends bon femme du non à Accor Arena équipe Tikea depuis presque 5 heures d'après-midi même un peu avant parce que la presse était pour l'entrée puis bonheur
nous finissons par entrer. Je ne pas entrer moi-même, particulièrement dans le backstage jam. Deux musiciens croisés. Une, c'est Mika, la collade. L'autre, là, c'est Carlo Vieux, que je battais depuis très longtemps. Mm-hmm. Et puis, concert a commencé. Concert a commencé. Karimi, Jakadi, pété plafond. Moi, je fais un premier tweet. Moi, je dis, par contre, si c'est public là, si c'est Diaza, mais c'est comme si tout le monde était sous pause. Karimi a 6 ans le campé, mais comme si c'est 6 jours le gain depuis le campé, parce que c'est même fait over, dès qu'on ouvre dans Karimi, hein. C'est même public là, me retrouver. Sauf que, fois ça, Tilion, nous tenons salle qui est plus gros que Stade Tidio 14, et il était plein de monde qui vient pour Karimi seulement. Mon deuxième tweet, moi, je dis, j'ai 20 ans de ticket, bah, j'aime ça m'a vivre là. Pour un groupe ici a fait ça l'affaire, en plus t'es pas dans le pays. C'est dans bien ça concert là. À un certain moment, comme moi, je suis backstage, je suis campé côté, je l'attends qu'il a pour prestation par l'arrivée. Ok. Allô? Ça l'entrée, okay. Là, préparé. Allô? Oui, moi t'es allé. Et concert là pour un break, t'es gagné en track. L'entraque là a retourné, Karimi joue un premier morceau. Après ça, Mika, pour 13e prestation, je dis que tu es dans le programme. Non? C'est Mika qui a fait show par là. Mika fait un show extraordinaire. Mais avec un journaliste, avec Rodney Noël, je dis Rodney, monsieur, très bon à soi. Je dis journaliste, qui est Belkis, prends note que Mika saute une prestation extraordinaire. Mboko fin di bel ki sa, nous tendons bruit. Mais comme le podium est très haut et que nous-mêmes nous sommes devant le podium, nous quasiment à côté de lui, nous ne savons pas qui s'acrivait. Les gens qui sont dans la salle, ouais, qui s'acrivait, mais nous-mêmes c'est bruit à seulement entendre. Ok, pour moi-même, son instrument est tombé. Pour moi, mais moi, plusieurs personnes allaient dans le sens côté de la gombaye qui passait. Par contre, ça allait, non? Et quelques secondes plus tard, rumeur arrivé jeune nous, c'est Mika qui tombé. Mais Mika qui tombé, pour moi, jusqu'à présent, c'est Pierre qui frappait, c'est tombé, le tombé. Et c'est là où est secouriste, il a demandé secouriste, Mika a demandé, Mika Michael qui a demandé pour secouriste venir. Et de musicien qui a essayé de réanimer Mika, Kounia a passé dans mes secouristes. Mais tout ça passe très vite. Secouriste était dans la salle là était parée parce que son salle spectacle vraiment faite pour ça. On a dit tout corps de métier pour l'être là. Et à partir de ce moment-là, secouriste m'a dit prend en charge Michael Benjamin. Et il a commencé à faire massage cardiaque pour lui. Moi, ouais, massage cardiaque a fait pour lui pendant mon bar. Et à ce moment-là, on a commencé à déployer sa note à carré en toile pour mettre une espèce d'intimité entre geste médical qu'a fait yo et public là qui ka ouais ça qu'a passé là yo déployé toute ton équipe yo mettait en toile noire yo barré yo entouré yo isolé ça qu'a passé là monde qui était sous stadia toujours sous stadia nous même qui était en bas stadia nous toujours en bas stadia et geste là fait massage cardiaque a fait etc etc pendant tout temps ça pas un concert encore tout monde chita dans la salle là un certain moment public là applaudi parce que pensait faire encourager artiste là un certain moment public là paix. Allô oui bon il y a que un petit problème de communication au niveau communication qui était messé encore. Donc, on a parlé de que y a Franz Duval qui depuis Paris cap raconté nous du en fait comment lui-même il était vivre événement hier soir là dans l'Aqua Arena et côté que nous perdu Mika. Ouais. Franz Duval rédacteur en chef journal Le Nouveliste dans le Tabzino qui était là le Mika t'a préparé prestation. Très bien. OK. Ouais. Franz Duval retourné. Oui. Ou mais continuer, je vais essayer de te interruption. Par contre, côté me dériver. Non, ou t'es, en fait, côté que il y a bien que on n'a pas applaudi. Tantôt, on fait silence. C'est ça. Public là, par contre, ça a passé. Public là, applaudi. Public là, espérer que le cas encourage l'artiste à relever. Mais
pendant tout temps ça pas gain spectacle encore spectacle la campé parce que dernier monde qui chantait c'est Mika. Mika sorti de scène là et puis Mika tombé. L'aime sorti de scène là, il était devant. La pour retourner dans place parce qu'il finit chanter et puis il tombé. Pas gain aucune autre musique qui gata jouer. Et à un certain moment pendant qu'il a fait manœuvre médicale yo, Michael Guirand retourné dans micro face à, il dit c'est compliqué. Prière pour Mika. Yo va demander nous évacuer ça là parce que concert a fini. Le ça, moun tombe crise, gen fille qui tombe crise, secouris qu'on y a ramassé des dames, mené à un côté qui pi calme. Moun a crié dans salle là, mais surtout tout moun saisi, personne pas comprendre ça vivre là, y a vivre li vraiment. Parce que pas gen 5 minutes, pas gen 10 minutes, pas gen 15 minutes, tout moun tap danser, tout moun tap fêter. Et de là, pendant presque une heure de temps, j'ai fait au farine et saute là. Malgré tout effort que le service santé français a fait, malheureusement, Mika n'a pas réussi à retourner à la vie. Et c'est comme ça, en sur scène, artiste a mouru. Avec drapeau lan, et drapeau Haïti en coule et puis Mika en main. Drapeau Haïti en coule, c'est comme ça qu'il a préparé pour le faire spectacle là. C'est comme ça qu'il a présenté le sous scène là. Et m'ta ka di que Mika baye en pile la musique haïtienne nan. Nous même nan ticket depuis avant ticket existait, nous déjà kon Mika parce que Mika depuis qu'on couche chanter Noël, t'es déjà en vedette. Et Mika fait tout temps avec ticket et dernière vidéo le posté côté la pala ticket. Nous avons perdu du mal encore. Bon, nous connaissons sur WhatsApp. Sur WhatsApp, nous avons fait. En tout cas, c'est ça, avant du mal, nous expliquer nous, c'est lui-même qui soutient que nous, pour qui a regardé nous sur Facebook et puis sur sur chaîne verte. Mais franchement, il est difficile vrai pour Mounio parce que et à quelques minutes écoutez que Mounio a pompé Mounio, et nous vivons ça du Val d'Oise. Oui, tu as parlé de dernier rencontre avec Mika avec Tiken. Oui, non, me dit son artiste que n'a suivi depuis toujours Mika année dernière Tiken bon artiste pour 20 ans carrière li. Vraiment, nous faisons pile route à Mika et malheureusement, c'est comme ça finit. Le spectacle qui était censé être le plus beau spectacle que j'aime faire dans la musique haïtienne. Ok. Et après, tout le monde, dans l'hôtel, là, comment ça te. Il y a deux catégories de monde. Il y a des gens qui étaient plus proches de l'organisation qui étaient jusqu'à la fin avec Mika. Moi-même, avec les journalistes, au certain moment, ils m'ont dit nous sortir. Mais les Haïtiens sont sortis sous Dakadi Esplanade à Aqua Arena, personne va aller. Tout le monde était, tout le monde attend. C'est comme si nous avons là, Gomba et Wapton, nous voyons qui s'allie. Vingon la pluie commence à fariner. Bon, les Haïtiens commencent à gagner parce qu'on n'est pas aimé la pluie. Et puis, c'est dans le moment ça, je recevais un message, l'aller. Et c'était fini. Mika qui parti avec drapeau dans couli et drapeau ça que t'es chéri en pile, malheureusement il est tombé loin de pays li et pays ça que t'a vendre beauté li toute la journée. Et dernier rendez-vous li c'est sur scène. Est-ce que son hasard personne pas connaît et là nous connaît que son est qui était né pour la scène même li remet ça et il sent-il bien en public. Et un dernier mot, Duval. Bon, t'as dit que son monde qui va être toute vie la musique, parce que Mika c'est musique, Mika c'est des collaborations qui étaient célèbres avec plusieurs artistes, Mika c'est crazy musique, mais Mika c'est Mika avant tout. Un artiste polyvalent qui était toujours disponible, ma poète dit encore. Et malheureusement, en pleine lumière, devant tout public là, devant le monde entier, c'est comme ça Mika a quitté nous. Et c'est parti pour la famille, particulièrement papa Ali. C'est parti pour Tilionel, comme de bien saisi moi, m'patoué. Et parce que d'habitude, de pouvoir Mika ou Tilionel tout de suite après. Et c'est parti à tout le monde, famille, madame, ni petite li, à toute fan musique haïtienne, à tout le monde qui prend saisissement en direct hier soir. Malheureusement, c'est comme ça la nouvelle l'a annoncé, parce que c'est d'après ce noyé. Nouvelle arrivée vraiment, m'daka dit, de façon, pas jamais moyen d'aussi dramatique.
En 20 ans ticket, m'a dit mon gros concert comme ça, mais en 20 ans ticket, on m'a dit mon nouvelle aussi tragique que ça. Et puis c'est comme nous prenons la moji, excusez-moi ti dire, nous prenons la moji nous prenons tragédie accident barricade, ça qui passé char barricade sous chaîne Masla. Mais on artiste mouri comme ça, ça n'a pas quelque référence. Et même au niveau mondial, son bagage qui vraiment est. Et puis c'est. Non, pas un mot. C'est comme s'il t'a annoncé nous ça. On stage. Oui, non, définitivement, il était paré pour concert ça, parce que concert là. Mika connaît potentiel concert ça. Concert c'est pour un concert pour haïtiens seulement. Concert c'est pour meilleur public qui aime musique haïtienne, que haïtien que pas haïtien. Certains moments dans concert là, quand le vieux gagne drapeau de l'autre pays n'a même plus pas Haïti là. Et c'est des monde qui prend avion qui vient dans concert là. Oh yeah. Ouais. Ah oui, c'est des monde qui sortent de la Réunion, qui sortent de Martinique, qui sortent de Guadeloupe, toute diaspora, moi-même, moi voyage dans avion, qui a fait Fati Bot là-dedans, qui a vu le concert Karimi, qui a Valérie Marcel là-dedans, qui a vu le concert Karimi, c'est pas des gens qui ni musiciens Karimi, non. Profession était là. Tout le monde connaît le concert ça, c'est un concert marquant. Son l'autre étape dans la musique haïtienne, dans le concert ça, un seul jazz haïtien plein à Kouarina. Et Mika te compte ça tout, moi je suis prêt à battre à 100% pour ça, et le faire. Et puis malheureusement, c'est comme ça finit. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, oui, c'est Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat.